Jérusalem, l'espoir était brisé. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. Et tout en marchant, ils parlaient de Jésus, celui que l'on venait de crucifier. Celui que l'on venait de crucifier. Ils avaient suivi Jésus comme un messie. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. Envahis de peine, ils revenaient déçus et n'avaient plus la force d'espérer. Et n'avaient plus la force d'espérer. Juste avant la nuit, quelqu'un les a rejoints. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. Ils ont raconté l'histoire de Jésus et lui s'est étonné de leur chagrin. Et lui s'est étonné de leur chagrin. Cela s'est passé comme il était écrit. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. Deux hommes s'en allaient vers Emmaüs. La voix des prophètes, ils l'avaient entendue, mais dans leur cœur, aucun n'avait compris. Mais dans leur cœur, aucun n'avait compris. Ils l'ont supplié de rester avec eux, cet homme qui marchait vers Emmaüs. Cet homme qui marchait vers Emmaüs. Pendant le repas, leurs yeux l'ont reconnu. Quand il a pris le pain, il l'a rompu. Quand il a pris le pain, il l'a rompu. Mais devant leurs yeux, Jésus a disparu. Ils ont quitté la ville d'Emmaüs. Pour dire aux disciples dans Jérusalem qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Qu'ils avaient vu Jésus ressuscité.